On se concentre les gars, on tête un peu d'articulation, on teste. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Parfait, let's go! Bonjour à vous les amis, on se retrouve dans ce 4ème épisode des interviews Fun et Décalé. Qu'est-ce que le temps passe vite, j'adore cette émission. Aujourd'hui, on a essayé d'interviewer, non pas McFly seulement, mais McFly ainsi que Carlito. Je vous le rappelle, la dernière fois on avait interviewé seulement McFly, ça s'était très mal passé. Enfin, il s'était rien passé, petit extrait. T'as peut-être oublié la question? Oh bah, pas de soucis, je te la repose David, voyons que... Wesh la tête. C'est très simple, c'est une question simple qui mérite une réponse simple. Quel est ton plat préféré? À toi de jouer. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour! Hey, salut les gars, c'est Mr. Joe! Comment ça va? La forme et vous? Bah, très bien! Super, est-ce que vous êtes prêts à répondre à quelques questions? Ah, on est chaud bouillant! Ok, nice! Eh bien, écoutez, on commence sans plus tarder par. Ah, mais mes fiches, Bertrand, t'as mes fiches? Non? Eh bah, t'es viré! Oh, ça va, on déconne là, pleure pas! Merci, Martine. Ok, on commence sans plus tarder par la première question. Comment tu t'appelles? Joe, appelez-moi Joe. Johan, j'adore ce prénom. Non, c'est pas ça. Joël. Non plus. Jordan. Non, mais essayez pas de trouver mon prénom, les gars, ça sert à rien. Jonathan. Non, c'est Joe, je m'appelle Geoffrey. Geoffrey, ouais, c'est moi. Bah oui. Ouais. Parfait, alors... Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non mais je vais bien, mais arrêtez les gars, non s'il vous plaît. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose en particulier? Oui, j'ai plein de questions à vous poser, donc si vous arrêtez pas de me couper, on va jamais y arriver. Puisque tu n'as pas l'air en mesure de diriger cette conversation, laisse-nous nous en occuper. Je suis totalement en mesure de diriger cette conversation, c'est mon émission tout de même, c'est terrible ça, merde. Ah, ça c'est toujours terrible. Super, les gars, on peut se concentrer seulement 5 minutes pour que je puisse proposer quand même du contenu aux internautes. C'est une bonne question, Josua. Geoffrey, je t'affirme que c'est Geoffrey, comment que je m'appelle. Bon. Très bonne affirmation, Josua. Geoffrey, bordel! Oula! Non, je ne vais pas m'énerver cette fois-ci, vous n'arriverez pas à m'énerver, les gars. On te rappelle dans 15 minutes, à tout à l'heure. Peut-être bien que si, ouais. Martine, bah, balance la pub, s'il te plaît. On prend 5 minutes. Hello. Non, je n'ai pas créé de site professionnel sur Wix. Mais j'imagine que tu veux des sketchs, encore plus de vidéos de qualité, de la fiction, des courts-métrages même. Comme je te comprends, moi aussi. Alors j'ai créé ma page Utip. Je vous montre? Dans la barre de recherche, tape utip.io/MrJoe. Tu tombes alors sur ma page Utip. Et arrivé là, tu peux m'aider financièrement en totale gratuité en regardant des petites pubs, comme ceci. Ou alors tu peux faire un don, soit tous les mois, soit une seule fois, c'est toi qui vois. Et pour te donner envie, voici quelques images de mon prochain court-métrage. C'est cadeau. Station Pile. Ça c'est moi. Et j'ai un problème dans la vie. Alors, oui, je vous entends déjà tous dire « Oui, bon, on a tous des problèmes dans la vie. » Ouais. Enfin, moi, je transite. Pop, et on ne t'en montre pas plus, petit farfadé. Allez, c'est reparti. Non, mais ça n'a rien à voir, Martine. Mais évidemment que j'ai du charisme. Attends, oui, c'est juste que là, c'est différent. Non, mais... Bertrand, tu peux les rappeler, s'il te plaît, on reprend. Vous me faites chier! Vous me faites chier! Ça vous a pas suffi, hein? À la gueule! Et on s'est trompé de numéro. C'était Vincent Tirel, une petite histoire. Rien de grave. Tu peux rappeler McFly et Carlito, s'il te plaît? Merci. Allô? Allô? Oui, allô, Carlito, on peut. Allô? Allô? Oh là! Bon, les gars, je sais que vous m'entendez, arrêtez de me prendre pour un con. Ils vont me rendre fou. Allô? Ici McFly et Carlito. Y'a son père pas de temps, avec qui aimeriez-vous faire un feat prochainement? Déjà, dis-nous pourquoi tu es triste. Mais je suis pas triste, bordel de merde! Ok, respire. Enfin, peut-être que si, en fin de compte. J'avoue que je sors tout juste d'une relation... difficile. Fais une respiration de yogi. De yo quoi? Tu commences par le bas du ventre, ça monte vers le haut, tu gardes 5 secondes et tu expulses. C'est pas simple, ça faisait quoi? Ça faisait un mois que j'étais avec elle. Oh mal, sache qu'à 15 ans j'ai vécu aussi une de mes premières ruptures et que c'est très violent. Là j'étais quelque chose. Là j'ai une info. Je savais qu'en jouant la carte de la tristesse, t'allais craquer, frérot. Oh là là, c'est la meilleure chose. Oh bordel, je suis fier de moi. Martine, un verre d'eau s'il te plaît, c'est ma tournée. Et tu m'as complètement niqué la gueule. Tu m'as totalement eu. Que veux-tu? Je suis le meilleur. Allez, je vous kiffe les frérots. À bientôt. Plein d'amour, force à toi et à très vite. Merci.
Waouh, c'était, on peut le dire, une interview fun et décalée, remplie d'émotions. Effectivement, pour ceux qui l'ont remarqué, pendant la vidéo, j'ai perdu des cheveux. Après, à quel moment de la vidéo, ça, je te laisse aller regarder. Si tu kiffes les interviews, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. Et évidemment, aussi, marque-moi le nom d'un youtubeur que tu voudrais que j'interviewe. Ça peut être toujours intéressant d'avoir des petits noms comme ça à droite à gauche. Je me dis, tiens, qui c'est que j'interviewe? Lui, je l'ai pas fait, je vais voir ce qu'il fait. Ça peut être intéressant, oui. Je compte sur toi pour me soutenir sur ma page YouTube. N'hésite pas à ne pas cliquer ici, parce que si tu cliques là, ça me pose la vidéo, tout simplement. Clique sur le lien qui est en description, c'est beaucoup mieux, je t'assure. Et ensuite, tu connais la chanson, abonne-toi, like et active cette fucking cloche, comme ça tu seras au courant des faux futures vidéos, parce que là, j'en sors pas des masses. Donc là, quand tu activeras la cloche, et ça te dira, dis donc, je pense que Mr. Joke a sorti une vidéo. Allez, gardez la pêche et le sourire, c'est précieux. Je suis parti en couille totalement à la fin. J'ai pris un virage. Aïe. Bisous.